الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله يا متنا على هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي دون زان حديث لا تفضلوني على يونس بن متى دي dans le Coran on parle de Sayyidina Younes. Sayyidina Younes, quand on en parle dans le Coran, qu'est-ce qu'on comprend? Hein? Il a fait une bêtise, il a été puni et mis dans le ventre, hein, de la baleine ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est notre compréhension. Alors que dans la réalité, c'est pas ça du tout. Parce qu'un prophète ne pêche pas. Pourquoi il ne pêche pas? Parce que ses actions sont une loi. Et si tu commences à douter de sa pureté, tu vas douter de tout. Donc, est-ce qu'il a péché Younes? Adam, est-ce qu'il a péché? Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Mais nous, quand on lit le Coran, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il a péché. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Wa asa Adam rabbahu » Mais ça, c'est un autre sujet. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu créer Adam, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Je vais mettre sur la terre un khalifa. Donc Allah, depuis le début, il a précisé l'endroit dans lequel sera le khalifa. C'est où? Hein? Sur la terre. Mais quand il l'a créé, il l'a mis où? Que ça ne va pas. Il l'a créé pour la terre. Pourquoi il l'a mis dans le paradis? Et il l'a mis dans le paradis, il lui a dit, tu ne manges pas de cet arbre, sinon tu vas descendre sur terre. Il a dit, tu ne manges pas de cet arbre. Si tu manges de cet arbre, de ce fruit, tu vas descendre. Alors qu'il l'a créé pour la terre. Donc Sayyid Nadam, il a exécuté le vœu ou il a désobéi à Allah, à la volonté d'Allah, en mangeant de l'arbre. Hein? Dites-moi. Donc, il a désobéi à Allah, à la volonté d'Allah. Mais ça, c'est une autre dimension de Et ça, si on commence à en parler, ce que c'est que le péché, désobéir, ne pas désobéir, tout ça. La volonté d'Allah, le fatalisme, c'est un autre sujet. Donc, quand tu juges, tu dis le souali est le meilleur souali. C'est un qallat adab des fois. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ne me préférez pas à Younes, parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une station plus haute que Younes. Ça, c'est sûr. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit non. Alors que Sayyidina Nabi, il dit Ana Sayyidu waladu Adam. Je suis le meilleur, le maître de la race humaine, des fils d'Adam. Et en même temps, il dit ne me préfère pas à Younes. Pourquoi ne me préfère pas à Younes? Parce que vous, quand vous allez vous préférer avec votre ego, votre nefs souillé et sale,
quand vous allez me préférer à Younes, vous n'avez pas me préférer à Younes pour parler de ma station, mais pour parler de sa station. Vous voulez dire que Younes, il n'est pas bon. Il a désobéi, il a fait, et vous allez tomber dans le péché en parlant de Younes. Allah, Allah, Allah.